l'équipe, c'est Baz. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel. Petite matinée de travail, kiné au cabinet. J'en ai profité pour vous filmer une belle petite introduction qui change. Je vous ai dit, maintenant que Florentin, donc aka Honora, a le drone, je vais essayer de faire passer les vlogs d'une qualité supérieure et vous proposer des montages vraiment sympas avec les drones. Et je trouve ça incroyable. Les plans avec le drone, de toute façon, tu peux filmer ce que tu veux, ça sera stylé. Tu as juste à le poser dans ton jardin et le lever, le plan, il sera stylé. Donc là, il est à peu près 11h, je viens de rentrer, je n'ai toujours pas mangé. Donc j'ai la dalle, je vais vous montrer directement ce que je vais manger pour le premier repas de cette journée. J'ai envie d'avoir des protéines, donc je vais me faire un shaker de prot, goût vanille, et je vais me faire également un bol de Weetabix Protein Crunch. Voilà, ça, ça me fera les protéines qu'il y a ici. Et les protéines du shaker, et je serai pas mal. Ensuite, aujourd'hui, énormément de boulot pour aujourd'hui et les jours qui vont venir, parce que nous sommes à J-2. Donc, vous regardez cette vidéo, il sera J-1, parce que là, aujourd'hui, on est mardi. Et les habits, donc les précommandes sortent, comme vous savez maintenant, jeudi, 18h. Le site sera à jour, donc je dois bosser sur le site. Hier, j'ai fait le shooting de tous les vêtements de la nouvelle collection. Shooting vraiment pro, là, la qualité aussi, elle augmente, donc ça fait vachement plaisir. J'ai reçu des photos ce matin, elles sont incroyables, vraiment, c'est ouf, c'est la première fois que je faisais un vrai shooting pro et putain, il n'y a rien à voir. Donc là, je vais devoir passer la matinée sur le canapé, sur l'ordi, donc le reste de la matinée à taffer sur Photoshop, sur le site web, mettre tout à jour, faire ça propre, faire ça clean pour pas être dans le rush jeudi. Comme ça, il y a une grosse partie qui est déjà faite. Donc, petit café, petit bol de céréales, je vais me poser tranquille pour charbonner. Le temps passe, ça fait à peu près 2h30 que je suis en train de bosser là sur mon ordi. J'ai fini mon deuxième café, mon bol de céréales et je vais devoir malheureusement rebouger parce que je dois retourner au cabinet. Là, j'ai de 16h à 18h de la kiné et il faut également que j'aille faire des courses. Donc la partie kiné, je ne peux pas vous la filmer vu que c'est du taf et de toute façon, ça, je ne peux pas le filmer. Mais je vais peut-être vous filmer les courses que je vais acheter pour vous expliquer 2-3 bails niveau diète. Et voilà, là, j'ai bien taffé, j'ai vraiment bien bossé, je suis content. J'ai même dû enlever le pull, ça m'a donné chaud. Donc je vais vous dévoiler là dans cette vidéo en avant-première le shooting d'hier sur fond noir. J'ai opté pour le site pour un fond noir parce que je trouve que c'est beaucoup plus clean, beaucoup plus classe et ça donne un aspect vraiment, vraiment lourd. Donc là, il y a toutes les photos du shooting comme vous pouvez voir. Pas tout, mais la plus grosse partie que je vais exploiter. Donc on a le fameux pull gris, regardez-moi. Ce regard sérieux. Heureusement que j'ai fait le dégradé. C'est pour ça que j'ai fait le dégradé la dernière fois. Parce que, putain, vous imaginez si sur les photos, j'avais pas eu le dégradé. Donc, en bas, vous pouvez voir, attendez que ça focus, le nouveau jogging. Là, c'est le nouveau pull avec la bordure blanche. Celui-ci sera dispo en plusieurs coloris. Là, on a le pull sans capuche qui sera dispo en noir et en gris. Ça, c'est pour le côté beaucoup plus classe. J'aurais dû le shooter idéalement avec un jeans parce que j'ai gardé le jogging bêtement. Mais ça, c'est pas la gamme sport ni performance. Donc, celui-ci et celui-ci, j'aurais pu les shooter avec un jeans pour garder l'aspect classe. Le fameux haut chill avec le gros logo noir dans le dos qui sera disponible en blanc, en noir, logo blanc et en beige, là, comme vous voyez, avec le logo noir. Mais franchement, avoir des photos de qualité comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc, le site, je pense qu'il va vraiment rendre bien, comme vous voyez, avec les photos fond noir. Je trouve que ça donne vraiment un style un peu plus agressif, en même temps sobre et classe. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est l'aspect que j'ai voulu donner à mon site, donc j'ai vraiment hâte de le mettre à jour. Donc voilà, assez parlé, je vous retrouve en fin de journée après. Ok, j'en profite là d'être à la salle pour vous faire une petite update par rapport à la peinture de ce mur. J'étais allé à Castorama pour acheter un échantillon. Donc, ils ont des échantillons à 4 euros. C'est un petit pot qui permet de... Je bouffe ça. Qui permet de tester la couleur. Donc, j'ai acheté une couleur qui... s'apparentait à du gris anthracite. Et je me suis dit, pourquoi pas repeindre ce grand mur en gris anthracite plutôt qu'en noir. Parce que noir, ça risque de faire trop sombre. Et gris anthracite, je
trouve que c'est une couleur vachement stylée et avec un logo blanc, bah, je trouve que le gris anthracite ressort pas mal. Donc j'ai peint le petit muret qui est ici, je sais vraiment pas peindre, donc il y a pas mal de petits points blancs encore, surtout que le mur il est pas lisse. Mais en gros, la couleur ressemblerait à ça. J'ai peur que ça ressemble un petit peu trop à du bleu marine, je sais pas pourquoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais ce grand mur, du coup de ce trait à là, de cette couleur, qui est censé être du gris anthracite, mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu à du bleu marine. Donc voilà. Ou alors est-ce que je pars vraiment sur du noir noir pour ce mur? J'ai envie de partir sur du noir noir pour être sûr que ça soit noir, tu vois. Mais après je me dis cette couleur elle est quand même pas mal. Mais ça ressemble un peu à du bleu. Du coup je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je risque pas de le peindre là dans les jours qui viennent. Surtout avec la nouvelle collection qui arrive, j'aurai pas le temps. Donc j'ai encore le temps d'y réfléchir. Voilà, c'était tout pour ça. Je voulais juste vous montrer ce petit mur, cette petite couleur. Et sinon voilà, rien qui a changé pour le moment. Je vais devoir aller au Leclerc faire les courses avant que... Sinon ça va fermer parce que je vais encore m'entraîner après. Donc je vais vous filmer tout ça et on se retrouve à l'appart. Go! Le taf est fait, enfin de retour à la maison, il reste plus que la séance de muscu à faire et on pourra dire que cette journée aura été productive. Je vais le temps de déballer les cours, je vais vous poser la caméra pour vous expliquer un petit peu ce que j'achète et pourquoi je les achète, même si vous vous doutez parce que je mange toujours la même chose depuis très longtemps maintenant. Donc si vous êtes assidu avec mes vidéos YouTube, bah, vous savez exactement ce que je mange au quotidien. Et je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il manque encore quelques courses, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée entière à la bouffe. Tu vois, genre une vidéo, une semaine de courses où je vais au Leclerc, j'achète tout ce qu'il me faut pour la semaine et je vous présente tout. Donc là, je vais juste vous expliquer rapidement sans prendre trop de temps, juste pour que vous ayez une petite idée. Donc c'est parti. Donc on a du pain 5 céréales aux 5 graines, sur lesquels je vais mettre soit du beurre de cacahuète avec du miel ou de la confiture, soit si je me fais du salé pour les protéines, je vais mettre du Philadelphia Light pour les protes, sur lequel je vais mettre du blanc de poulet, basique. Et si je ne fais pas Philadelphia et blanc de poulet, je mets des rillettes de poulet, parce que les rillettes c'est vachement calorique, donc quand je cherche à avoir des calories et un peu de protéines, c'est plutôt pas mal, et en plus je kiffe ça, c'est vachement bon. Donc du pain, pour faire des tartines sucrées ou salées. On a les fameuses galettes de riz au chocolat noir pour dès que j'ai un petit creux ou dès que j'ai envie de manger un petit truc ou que j'ai pas le temps de manger, je me fais des galettes de riz et j'aime bien en manger deux avant la séance. On a du jus d'orange et du jus de raisin. Je prends les bio parce que c'est ceux que j'étais habitué à acheter, je les trouve bons ceux-là. Jus d'orange, c'est ce que je prends au cours de la journée, le matin et l'après-midi quand j'ai une petite soif et que j'ai pas forcément envie d'eau, et le jus de raisin, je le garde pour après la séance. Je rentre chez moi, j'ai grave soif, et le jus de raisin, ça passe terrible. Donc jus d'orange et jus de raisin, c'est ce que je bois en ce moment, comme jus. Et on a les fameuses croquettes de chien du base, les Weetabix Protein Crunch, que j'ai découvert vraiment récemment. Celles-là, par contre, je les avais pas à l'époque dans mon alimentation, mais elles sont vraiment top. Ensuite, il y a également du lait, des pâtes, du riz, mais ça, je les avais déjà, donc je ne vais pas les acheter. Voilà pour les courses qui me manquaient. Ensuite, je vais essayer de me motiver pour aller m'entraîner. J'ai un petit peu mal au dos aujourd'hui. Je pense que c'est le froid. Quand il fait froid, ça fait toujours mal. Quand vous avez une douleur, elle se réveille généralement. Et je sais pas pourquoi là, ça fait chier. Je reste beaucoup. Je reste pas beaucoup assis, mais il y a des périodes où je bosse sur l'ordi et je suis vraiment dans une posture de merde sur le canapé. Et ça, faut le corriger. Donc, pour la séance du jour, je sais pas, on verra déjà. On se retrouvera après. À toutes. Bon, l'équipe, arrivé à la salle, au base gym, donc pour la séance jambes, je vais quand même essayer de faire les jambes. Je faisais plus les jambes ces derniers temps parce que j'avais mal au dos. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'avais des problèmes de dos. J'étais allé faire une radio, je vous en ai pas parlé,
mais le résultat de la radio, c'est que j'avais un pincement vertébral, donc du disque au niveau de L4, L5 et L5, S1, j'avais des douleurs et également une attitude scoliotique, ainsi qu'une bascule du bassin en défaveur du côté droit de 12 mm, soit 1,2 cm de bascule du bassin. Donc j'ai préféré laisser tomber les squats, soulever de terre, là c'est mort en ce moment, parce que j'ai régulièrement la petite douleur qui vient probablement du pincement, et ça fait vraiment vraiment chier. Après, j'avais pas totalement arrêté les jambes, parce que surtout que maintenant que j'ai ma salle, je faisais pas mal de WOD avec les boules, du goblet squat, des kettlebell swing, des sautés sur boîte, etc. Donc je sollicitais régulièrement les jambes, mais juste le squat en lourd, j'avais arrêté. Mais plutôt que d'arrêter complètement, je vais essayer de m'y remettre aujourd'hui. Pas forcément en lourd, mais essayer de reprendre le mouvement bien comme il faut et voir comment le dos réagit. Et peut-être ça pourra même me faire du bien. Donc voilà, je vais reprendre le squat, je vais vous filmer ça. Je suis pas trop motivé, mais je me motive tout doucement. Et j'ai, comme vous voyez, le t-shirt base performance qui sera dispo jeudi 10 décembre à 18h en gris, en blanc, en noir et en bleu. Donc je vous filme juste un petit peu de corde à sauter parce que je sais que vous kiffez ça. Et ensuite, je vous montre le reste de l'échauffement. Ok, donc maintenant que je suis bien chaud au niveau cardio, au niveau de la température corporelle, je vais passer à l'échauffement plus spécifique, musculaire et articulaire pour les jambes. Je fais toujours la même chose, je commence par mobiliser l'articulation de la hanche qui peut aller en flexion, donc flexion, extension, abduction et rotation externe et rotation interne. Donc ce que je fais, c'est que j'emmène la hanche dans tous les degrés de liberté, donc flexion, extension, je la fais vraiment que la hanche sans compenser avec le dos. Donc je fais des séries flexion, extension, je le ferai moi à part après bien, mais là je vous montre juste. Donc flexion, extension, ensuite pareil je me tiens, abduction et on va en adduction. Pareil, on essaie de ne pas compenser mais de s'arrêter au bout de l'abduction, sans compenser de l'autre côté, donc adduction, abduction, et ensuite je fais des rotations externes, et vous pouvez venir en rotation interne si vous voulez. Voilà, là on mobilise la hanche dans toutes les articulations, dans toutes les directions. Ensuite, pour me préparer au squat, bien ouvrir les hanches, je vais faire des squats avec un contrepoids devant. À quoi il va servir le contrepoids? Il va servir simplement à pouvoir descendre bien là, dans la position de squat, et bien ouvrir les hanches. Il faut toujours que vous ayez les hanches ouvertes au squat. Donc un des étirements à faire, c'est que vous mettez comme ça, coude dans les genoux et vous ouvrez et vous restez comme ceci. Donc ce que je fais, c'est des séries de 15-20 répétitions avec une légère pause, boum, boum. Comme ça, on a le mouvement du squat et on continue d'ouvrir la hanche et en même temps d'étirer donc les adducteurs et de préparer tous les muscles qui vont travailler. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je passe au sol pour tout ce qui est mobilisation de la colonne vertébrale et de la cheville, ça je vous le montre également. Donc je vais profiter de mon beau petit tapis, je vais le faire en chaussettes pour avoir une meilleure préhension du sol. Là j'ai mes URH explosés, c'est con d'avoir fait l'échauffement avec ça parce que j'ai mes Nike à semelle plate, vous allez voir quand je vais faire mes squats. Donc normalement si vous échauffez, faites dans les mêmes conditions que votre squat, comme ça vous vous habituez et vous mettez vraiment dans le mood. Première chose à faire, ça va être étirer le psoas. Donc rétroversion du bassin et on étire. Je ne vais pas voir ça parce que là vous avez une antéversion du bassin, donc ça ne sert à rien. Rétroversion et là ça tire déjà. Moi je fais ça, des séries de 10 en allant vers l'avant. Ensuite je fais la mobilité de la cheville. Tout simplement, le talon il reste collé. On va appuyer le tibia vers devant pour mobiliser la cheville. Et normalement si vous êtes raide, vous allez sentir une butée ici. C'est simplement l'articulation. Et donc le fait de faire ça régulièrement, ça va augmenter votre mobilité de la cheville. Donc je fais ça des deux côtés. Ensuite, il y a l'exercice que je vous disais où vous vous mettez comme ça. Et ensuite, on peut passer à la mobilisation du dos de la colonne vertébrale. Très important pour moi qui ai des problèmes de dos. Mais au niveau des épaules, on va faire des extensions en contrôlant un peu plus, en gardant le bassin bien collé.
pour que la colonne vertébrale au niveau lombaire se mobilise bien. En série 10, ensuite Cat and Co, donc le chat et la vache, vous mettez comme ça, les mains en rotation interne, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. Pareil en série 10, et n'ayez pas peur de faire ça en salle, je sais que c'est un mouvement un peu dégueu, mais pas le choix. Et un autre exo que j'aime bien, c'est des pompes, vous partez comme ceci sur les genoux, on descend et on creuse, on descend et on creuse. Là pareil, ça va mobiliser la colonne vertébrale. Ça c'est l'échauffement que je fais, je voulais filmer rapidement, je vais refaire tout ça une fois correctement comme il faut, ensuite je serai chaud et je vais reprendre le squat pour une des premières fois depuis quelques semaines. Donc c'est parti. C'est parti les amis, première série, pas se prendre dans la tête. Première série de squat pour base, since a very very long time. Je pense que ça fait littéralement 3 semaines, 3-4 semaines que j'ai pas fait de squat bas. Barre à vide. Regardez cette présence. Première fois que vous voyez du squat dans le bas gym avec le beau petit rack face au beau mur. C'est parti. Hop ! Allez, on se concentre. On tient bien la barre. On ouvre les hanches. On garde les talons collés. On serre le dos. On tire la barre contre soi. Boum ! Boum ! Et en apnée sur les hanches. Bon, 5 reps à 120, pas de douleur, c'est plutôt pas mal, c'est rien de fou, hein. c'est vraiment une perf explosée pour moi et ce que j'ai déjà fait. Mais pour la reprise, pas de douleur, vraiment zéro, faudra voir si j'ai pas de douleur demain matin. Ok les gars, je vais rester sage et responsable et je ne vais pas faire 230 kg. J'ai revalidé 5 fois 100, enfin j'ai pas validé, j'ai fait 5 fois 120 kg pour la reprise, j'ai regardé la vidéo. C'est pas dégueu, mais je préfère rester là-dessus pour la reprise. Là, ce que je dois faire, c'est beaucoup de renforcement de la chaîne postérieure et du renforcement en unilatéral. Vu que j'ai le décalage au niveau du bassin, il faut que je taffe en unilatéral. Donc, ce que je vais travailler, c'est simplement du squat bulgare. Je vais prendre une kettlebell dans la main opposée et je vais descendre comme ça. Et des kettlebell swing pour renforcer les fessiers. Donc, ça, c'est des exos qui marchent plutôt bien. Voilà, je vais faire ça tranquillement. Je vais remettre ma musique, donc je vais pas vous le filmer parce que c'est des exos de renforcement. Et voilà, donc 5 fois 120 pour la reprise au squat. Là, squat bulgare, je pense faire 3-4 séries. Kettlebell swing, je pense faire 4-5 séries de 15 reps en long pour vraiment focus les fessiers. Et si je suis motivé, je me ferai un petit wod pour terminer. Mais voilà, je voulais juste vous filmer le squat, c'était le plus important pour aujourd'hui. Et ensuite, je vais rentrer tranquillement et je vous retrouverai à la casa. Bon, de retour à la casa, je vais vous montrer ce que je vais manger pour l'avant-dernier repas de la journée, parce que je vais me faire une petite collation avant de dormir. Je vais me faire des pastas, donc des pâtes, pourquoi pas de riz, parce que comme je disais l'autre fois, j'avais plus de riz, donc j'avais pris des pâtes, donc je vais finir les pâtes. 125 grammes, parce qu'un paquet ça fait 250 grammes et je le divise en deux. Et j'aime bien être entre 120 grammes et 130 grammes pesées crues. Donc je vais me faire 125 grammes de pasta pesée crue avec 5 œufs pour les protes. Donc des œufs que... Bon, c'est pas cette boîte. Hein, mais... Oh non ! Merde ! Bon bah, ça sera 3 œufs. Putain, j'ai le seum. Bah, 125... Putain, j'ai le seum. C'est pas beaucoup, 3 œufs. Donc je vais juste me faire 3 œufs. Et pour ajouter un peu de prot, je vais peut-être me faire
un petit bout de fromage. Et ensuite, avant de dormir, je vais... En ce moment, je vais même refaire du fromage blanc comme à l'ancienne, l'ancienne, pour nourrir le muscle pendant la nuit, tu connais. Ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Taille fine, ils sont super bons. Donc, il y a goût pêche et goût fraise, ils vont ensemble. Et ils ont des macros de fou. Donc, t'es mal les macros pour un pot, donc 115 grammes. T'as 7 grammes de prot. Donc, je mange les deux, ça me fait 14 grammes de prot avant de dormir. T'as le petit coulis en dessous. Ils sont vraiment légers, vraiment bons. C'est le feu. Voilà. Et sinon, je vais vite vous poser la caméra là et me mettre sur ma petite chaise de piano pour finir cette vidéo. Et nous avons également le petit jus de raisin, vu que je viens de finir la séance. J'ai failli oublier celui-là. Donc voilà, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo, tranquillement, avant de prendre mon dîner, avec un bon verre de jus de raisin, bio s'il vous plaît. voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être encore là, merci de me mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir. C'est la meilleure façon de soutenir mes projets. Un jour les gars, on atteindra les 100 000 abonnés. On sera un jour une famille de 100 000 abonnés. Et ça sera incroyable. Donc sinon, très important pour la fin de cette vidéo, vous vous en doutez, nouvelle collection qui sort demain, jeudi 18h, donc demain à 18h pile, le site est en ligne et première fois qu'il y a la gamme femme. Donc pour les femmes, il y aura brassière, leggings et crop top. Et très important, les pulls et les coupe-vent vont également pour vous les filles. Donc si vous mettez du S ou du M, ça vous ira. C'est en gros, c'est pas du unisex. Enfin, si c'est du unisex, c'est plus pour gars. Mais il y a plein de meufs qui ont déjà acheté dans le passé les pulls basiques. C'est des pulls à capuche, donc ça vous ira. Et pour les gars, voilà, il y aura énormément de choses. Et voilà. J'attends de voir. Moi, j'ai énormément de boulot. Et je vais avoir encore plus de taf une fois qu'il y aura les commandes en ligne. Voilà, j'ai peur. Maintenant, il y a un petit mix d'euphorie et de stress. Donc là, j'ai plus grand chose à dire, à part que j'espère qu'on va terminer cette année 2020 en beauté, comme il le faut. Et voilà, je vous souhaite tout bonnement une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Force à vous en cette période, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon courage pour le boulot, bon courage pour le sport, pour tous vos projets ou pour les cours si vous êtes à l'école. Et on trinque la nouvelle collection demain, 18h. Ciao l'équipe et à la prochaine.